l'impression que c'est ici que s'arrête la section à falaise, puisque devant on ne voit plus que des pentes un peu plus douces. Allez, on va aller voir. Le vue d'ici, qu'est-ce qu'on est bien. Mon tabasco qui avance tout seul. C'est pas beau ça. Et là il y a les dernières cales à Kalamitrana. Et là à un moment ou à un autre on va être obligé de virer de bord parce que sinon on va sentir la falaise. Et la falaise elle a l'air costaud. Alors droit devant il y a une autre cale. Ben, Raymond a affalé, enfin, a enroulé le génois, il a mis le moteur, il est allé voir. On va attendre qu'il ressorte, voir si c'est abrité, parce que jusque là ben, toutes les cales sont un peu ouvertes. Et on n'en a pas trouvé une dans laquelle rentrer pour non pas s'abriter, mais pour aller soigner, casser une croûte. On n'est pas pressé, on a le temps, on aurait pu s'arrêter. Je vais vous montrer un petit peu sur la carte ce que ça donne. Que j'abatte un peu. Voilà. Alors, on va décaler ça. Voilà. C'est un peu rapide, mais. Donc on va sortir de là, voilà, nous on vient d'ici, de l'est, hop hop hop, donc on a longé la côte tout le long, on va le montrer comme ça, voilà, encore, voilà, Minorque, ce matin on est parti de par là, hop, hop, hop. Et on a longé toute la côte, maintenant on va se rapprocher, voilà, et chaque fois qu'on voit ces petits voiliers, ce sont des beaux mouillages, des calas. Mais comme ce soir, comme cet après-midi, le vent vient de là, la mer vient comme ça, toutes ces calas sont ouvertes. Donc nous, on est là en ce moment en train de voir si on peut aller s'abriter par là. Mais c'est pas gagné. Alors peut-être que derrière, là, ce cap. Voilà, Raymond est allé voir là. Là-dedans et là-dedans. Voilà, là, il sort de là. Il est droit devant. C'est pas possible. Allez, je vais prendre la main pour éviter le cap. Bon, et bien voilà. Alors, droit devant, il y a une cala. C'est la cala de Turquetta. Et Ramucho et Edgar, ils nous attendent déjà. Là-bas. Ah, ben tiens, on va la regarder là. Elle est là. Turquetta. Alors, tout ça, c'est les calas. Bon, celle-ci serait à peu près abritée. Parce que, comme on peut le. Montre bien, Pierrot. Comme on peut le deviner sur ces images, il y a une houle, une belle houle d'est.
et un vent d'ouest. Tout ça est croisé. Donc pour l'abri, c'est pas idéal. Donc toutes les belles cales qu'on avait prévu de visiter, on n'a pas pu le faire. Ah, ça c'est les impératifs de la voile, hein. Mais c'est pas grave. On a fait une belle bordée aujourd'hui. Et là-dedans, donc face à nous, voilà, il y a une cale. Alors on y va. On s'approche sous voile au maximum. Et puis à un moment donné, on va enrouler le génois. Et après, on s'occupera de la grande voile, démarrer le moteur et grande voile. Voilà. Là, on voit bien que ça ourle sur les rochers costauds. Donc que la houle vienne dans notre dos. Voilà. On approche. Je prendrai volontiers un bombay quand même. Hein. Je prendrai volontiers un bombay en arrivant. Voilà. Nager un peu, ça me fera du bien. Allez, go. On est partant. Comment ça se passe là-dedans? Ben, ça n'a pas l'air bien profond. Mais bon, on va bien se faire à notre place. Allez, on y est. Bon, ben, nous voilà à la Calia Turchetta. On a pris un bon bain, on est allé un petit promener. Petit peu promener, ouais, c'est ça, vers Ramouch. Alors c'est très sympathique, mais petit bémol, bah, y a beaucoup de monde quand même. Hein. Alors sur le guide, c'est désert, c'est sauvage. Alors je sais pas les Espagnols ce qu'ils font dans la vie, mais on est quoi aujourd'hui? On est mercredi, mardi. Il y a un monde de fous, ils sont tous en vacances. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants, ils sont tous en vacances. Voilà, quoi, on se croirait un dimanche. Mais c'est joli, ça y a rien à dire, quoi. Ça ressemble un peu à nos calanques, sauf que le sable est fin et magnifique. Pas encore fini? C'est tranquille. Je reste tranquille. Là, tu n'as même pas la pression. Et... Qu'il est beau ce bateau! Alors ici c'est la plage des photos, des couples et des photos. Ils se prennent tous en photo. Ils étaient magnifiques sur la plage. C'est beau. Ça y est, il est prêt, le Edgar. Santé, les gars. Allez, tchin tchin, que la croisière s'amuse. Tu n'es pas obligé de me regarder dans les yeux, Edgar, c'est pas grave. Excuse-moi. Tu trinques avec moi et tu rentres de la plage. Non, je regardais les Ah, ou le bateau, je sais pas. Ouais, parce que, mais ceux qui sont partis, là, ils sont bien. Oui, mais ils ont fait un petit tour. C'est toujours le même rosé? Ou c'est un nouveau rosé? Non, c'est toujours le même. Mais t'avais pris ou pas? 5 litres. Et voilà, ben on pile la Cala Turchetta. On est le 11 septembre, il est 10h du matin. Et on continue, la direction Ciutadella, par là. Allez, on y va. Mais avant, on va s'arrêter à la Cala Sansora pour déjeuner, se baigner un peu, et y aller tranquillou, tranquillette. On profite, mot d'ordre, profitez. Allez, c'est parti. C'est par là que ça part. Ça part par là. Bon, ben nous, on est sortis de là-bas derrière, là. Et puis on a fait cette petite route au moteur. On n'a pas mis les voiles malgré le vent intéressant, mais parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et là devant, il y a donc la Cala Sansora. On va aller voir s'il y a possibilité de mouiller là. C'est très joli. C'est très joli. Je pense qu'on va être bien là pour déjeuner. Ah, la navette qui passe. C'est la navette. Le promène au couillon, mais voilà. Allez, on va se glisser là-dedans, on va jeter la pioche. C'est parti. Ben voilà la Cala Sansora, mais bon, c'est agité aussi, donc ben, on va pas rester. C'est une jolie plage, énorme. On va ressortir de là, on va hisser les voiles et on va faire de la voile jusqu'à Ciutadella. Ici, il doit y avoir du monde quand même, parce que je vois des vélos qui arrivent. Il y a les bateaux navettes.
allez, alors où sommes-nous? Eh bien, nous sommes là. Voilà. On va grandir. Voilà. Et nous, nous allons faire ça, la voile, et redescendre à Ciutadel, aller au port et visiter. C'est très joli, paraît-il. Allez, go! C'est parti. De la grande voile. Ils se sont légèrement poussés de devant Raymond. Ils s'en foutent. Alors, la mer. La mer est grande, hein, il y a la place. Il y a la place. Bon, ben voilà, là on va passer le cabot d'Artrout. Artrout. Enfin, je ne sais pas le prononcer. Enfin. Le cap d'Artrout. Pardon. Oh là là. Donc ben voilà, on a fait toute la côte sud depuis hier, de Minorque. Voilà, toute la côte sud. On va voir ce que ça donne là. Le cap est donc là. Et toute la côte sud, eh ben c'est tout ça. Et jusqu'au loin, au loin, au loin là-bas, on a passé le cap, je ne me souviens plus comment il s'appelle, hier. Et là, on est tout le long de la façade sud de Minorque. Voilà, là, on va remonter sur la face ouest, la petite façade ouest. Et direction Ciutadel, qui est vraiment pas trop loin d'ici. Là. Allez, c'est parti. Et voilà, arrivé à Ciutadel et l'entrée du port. Avec la 2K là. Et l'entrée c'est droit devant. Bon, on a du mal à imaginer, mais pourtant oui. C'est bien là-bas. Il y a beaucoup de ressacs. Et c'est assez désagréable. Il nous manque qu'on soit un peu à l'abri. Ça a l'air mignon comme tout. Quelques belles maisons là. Pas malheureux. Ils sont pas malheureux. À l'entrée du port. Ça fait passer une calanque surtout.
Ciutadella. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Et voilà, coucher de soleil sur Ciutadella. Et en bas, on a le Tabasco là, qui se dandine sur lui-même. Depuis là, on a une belle résidence quand même. Hein. C'est joli ici, plutôt sympathique.